Je vais remettre du son. Voilà. Qu'est-ce que nous avons? Bah, le daily run qu'on va perdre tout de suite, au bout de 2 secondes. Ah zut, zut, je vais mourir. Merde. Ah, j'avais oublié. Les cœurs noirs à la con, là. Regardez ça. Hop. Mieux. Allez, crève. Voilà. Mais ouais, ouais, voilà. Bah, si ça vous intéresse, les gars. Et d'autres personnes, s'il y a d'autres personnes sur le chat. Si vous intéresse que je vous explique un peu comment ça fonctionne. Bon, moi je prends mon petit déj. Bah, bon petit déj. Écoute, ça me fait plaisir que tu te lèves aujourd'hui. Voilà, si ça vous intéresse de savoir comment j'ai fait. Comment Manana a fait et que moi j'ai mis en œuvre. Il n'y a aucun problème. Voilà, je peux vous aider là-dessus. Ça serait avec plaisir. Du Lazarus. Oh là là. Oula, ouf. Ouf, ouf. Oh, Keeper. Keeper, j'ai toujours pas envie. The Forgotten. Forgotten, on aurait le Boss Rush et Hush et Delirium à faire. Donc, pourquoi pas. Allez, hop. Mais Otto, tu devais pas reprendre le stream d'aujourd'hui? Enfin, aujourd'hui... Hop, oui, on va y aller comme ça, voilà. Est-ce que je peux aller jusque là? Oui. Merveilleux. Oui. Sublime. Et du coup, t'en es où sur ton Isaac, toi, Otto? Que ouais, de ce que j'ai compris tout à l'heure, t'es pas loin de la fin, toi. On va bomber. Ah mais c'était vachement... Mais non, c'était bien ça. Oh, c'est trop, c'est bien. Ouais. Alors, tu as bientôt... Ah, bientôt avoir fini. Va falloir qu'on s'organise. Bah ouais, ouais. Et j'ai vu qu'il y avait... Il y a Froggins qui a lancé un stream, là. Il est sur Isaac. On voit avec lui. Donc oui, c'est bien ce que j'avais compris. Toi, t'es bientôt à la fin, quoi. Il te reste quoi, grosso merdo, à faire? Ok, bon, on va y aller. Ah, quoi que j'ai 19 balles. Putain, mais comment j'ai fait pour avoir 19 balles, là? Quand même aller au magasin parce que 19 balles voilà quoi. En plus des petits cœurs bleus là. Ah oui oui oui. Carrément, je mange, après j'ai pas vu de continuer, même si vous êtes tous les deux dispo, on pourrait se faire une petite concertation. Et bah, why not? À la limite, on peut jouer chacun avec nos discords allumés. Pourquoi pas? Il manque 3-4 challenges, la collecte d'objets, c'est fini. Est-ce que t'as fait ultra hard ou pas alors, finalement? Pas encore. Ok. Ultra, tu l'as torché il y a une semaine. Oh là là, le mec, trop bon quoi. Moi sur ma première run, ultra hard, c'est ce qui m'a pris le plus de temps. Hein. C'était infernal, mais j'ai mis tellement de temps à le faire. Et ça a été, ça a vraiment été une plaie pour moi. Hein. Ultra hard, j'ai eu beaucoup de mal à le faire.
Je sais pas si, si le message est passé quoi, mais... Mais j'ai eu beaucoup de mal. Oh, c'est sale de l'enfer là. Ok. Je les déteste celles-là. Ok. Pour l'instant, j'ai toujours mon Devil Deal, ce qui est plutôt pas mal. Machine de don. Merde, merde, merde. Puis du coup, j'ai plus assez pour le... Merde. Du coup, j'ai plus assez pour le PhD. Quel bolos. De c'est bien la coucouille est-ce que ça marche encore ça marche encore ou pas l'arnaque, est-ce que ça marche encore cette arnaque de prendre et vite de switcher. Putain, ça marche encore, yes, allez, I've got the couille. Ah. Est-ce que ça valait le coup de prendre la couille? Je sais pas. J'utilise pas ça plus souvent. Maître couille fou. Non, moi je suis pas vraiment expert là-dessus. C'est pas un full time job. La preuve, tu vois. Tu vois, le, moi je suis un expert en quoi, en rien du tout moi en fait. Voilà. Je suis un expert en perdage de points de vie moi. Eh, hey, coucou Melzekiel. Et coucou Black et Decker. Blacky, est-ce que tu as vu la transition du coup, Blacky? Est-ce que tu as vu la transition ou pas? Et si tu n'as pas vu la transition, est-ce que tu veux voir la... Ah, bon, vous êtes prêt ou pas? Est-ce que vous êtes... Vous me dites, hein, vous me dites quand vous êtes prêt, et je lance la transition. Faut juste me dire. La transi... Non? Quoi non? Non, t'es pas prête? Quoi? Prête, au pire je la remettrai encore 12 fois, c'est pas grave. Attention, transition. Et voilà. Et voilà, petite transition de scène. Tu me demandes pas si je peux regarder, je ferme les yeux pendant 30 minutes. C'est bon, Melzekiel, la transition est passée. Et je retourne sur le jeu, évidemment. Hop là! Je suis tellement content de cette transi. Je la kiffe, mais vous n'avez pas idée, j'ai rien vu. Et bah tu sais quoi, et bah c'est dommage pour toi, parce que cette transition est géniale. Voilà, tant pis. C'était quoi? Je déconne. Tu l'as vu ou pas alors? J'ai encore du vel à prendre avec OBS. Ah, après c'est tout con, hein. C'est franchement tout con, mais... Après, voilà, c'est ce que je disais, hein, si vous avez besoin, je suis évidemment dispo pour expliquer comment j'ai fait. Parce que c'est bien de partager son savoir, c'est quelque chose que j'aime bien. Et donc je peux évidemment filer des petits tuyaux. Même des gros tuyaux d'ailleurs. Mon objet. Peut-être ben que oui, peut-être ben que non. Oh là là, mais t'es, depuis quand t'es normande? Depuis quand t'es normande, Melzekiel?
me faudrait un peu de sous. Et merde. Alors, ça c'est un peu de sous, c'est bien. Merde, mais pourquoi j'utilise... J'utilise après qu'il soit mort, quoi. Super, le génie, quoi. Allez, une petite piécette, là, s'il vous plaît. Oh, je veux vraiment une petite piécette, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Un 8ème Normande. Mes arrière-grands-pères. Pathès, mes 8 arrière-grands-parents viennent tous d'un pays différent. Ah ouais. Ah ouais. Moi, je... Moi, c'est tellement tous normands, quoi, mais vraiment. J'ai un peu de famille, merde, qui date d'il y a un peu plus longtemps, qui vient de Belgique. Mais globalement, ouais, non, c'est la Normandie, quoi. Malgré mon nom de famille. Ça vient... Hop. Merde, merde. Ah bah je vais mourir. Ah bah effectivement. Pour récupérer ce connard de... d'objet. Je vais mourir. Bah je suis ravi. Mais hop, j'ai BFF. Donc je vais mourir heureux. Vous voyez ? Ah, me voyez ? Mourir, mais mourir... Ouais, mais non. Et je dis pas que là, ça serait une très mauvaise idée. Ma grand-mère... Attends, Vorpal. Attends, je l'aime tellement cette transition, je vais la montrer pendant tout le stream. Donc, tu es prêt ? Tu es prêt ? Attention. Transition dans 3, 2, 1. Voilà. Voilà, et là je retourne. Je retourne à la petite scène talk. Et je retourne au jeu. Attention, transition. Ah, vous n'avez pas idée de mon niveau de contentement. Ah, c'est génial, franchement. Bah, merci. Merci, je suis très content. Il faudra féliciter Séverine, qui a quand même fait les 9 dixièmes du boulot, on va dire. Hein. On va être gentil. On va être gentil avec moi, hein, parce que clairement, elle a fait plus. L'envie de me faire un jingle du schnapps me titille fortement. Eh bah, je peux t'aider si tu as besoin de connaître la petite technique. Après c'est tout con hein, c'est, franchement c'est juste une vidéo en fait, merde. Oh, je vais crever. C'est une vidéo en fait que tu veux... Alors il faut un fond transparent. Le plus compliqué en fait c'est d'avoir un fond transparent. Et donc il y a que QuickTime, mais je le déconseille parce qu'on avait essayé QuickTime. La vidéo faisait 13 mégas pour une seconde. Et ou sinon, on peut utiliser du WebM, alors qui est pas supporté par défaut par Adobe After Effects là. Donc, faut rajouter un plugin pour que le WebM soit fait. Sauf que voilà, le fichier fait 1 méga à la place du QuickTime et de meilleure qualité en plus. Donc, c'est plutôt cool quoi. Et donc, Melzekiel, tu disais pour achever les gens, je peux leur dire que j'ai 3 pères, 3 mères, parents multidivorcés, 6 frères et sœurs officiels. Aucun du même lit. Alors oui, officiel, car c'est mon général. Et j'en ai rencontré. Waouh. Mais ouais, QuickTime, c'est le prank. Mais je croyais pas qu'il y avait encore des logiciels qui supportaient le QuickTime. A priori, si. Et en fait, c'est QuickTime et WebM qui supportent la transparence dans les vidéos. Les autres, a priori, non. Donc c'est pour ça qu'il faut exporter en WebM, de préférence. Mais que Adobe After Effects ne supporte pas le WebM par défaut. Super relou. Mais une fois qu'il y a ça, bon bah voilà quoi.
ça permet de faire des super transitions. Et Melzekiel, j'ai déjà... j'ai déjà vu que tu prankes avec ça. Voyons. On sait que t'es une petite prankeuse, là. Ah merde. Bon. Je suis mort. Mais je suis mort heureux parce que... j'avais des super objets. Non mais là, on va... on va reset. Hein. Ah merde, attendez, je suis pas dans le jeu. Mais je suis vraiment super heureux de cette transition, quoi. Je la trouve, mais géniale. Manque plus qu'un petit jingle, quoi. F comme Fantomet ou autre. Alors oui, je sais, c'est pas le truc le plus passionnant au monde de me voir reset, hein, mais à un moment, ça devient chiant de... Là, si je veux faire le boss rush, faut que j'ai un bon objet dès le départ, quoi. Donc, Et d'ailleurs, c'est quoi un bon objet avec, avec ce perso? Parce que finalement... Si, ça accepte plein de trucs, en fait. Hein, ça accepte pas que les vidéos. Quoique, c'est... Alors, j'ai pas essayé. Non, c'est dans OBS, et il me semble qu'il accepte que les vidéos, hein, ce con. Faudrait que je gratte un peu plus. Après, un GIF, le problème, c'est que t'auras pas la qualité qu'il faut pour un GIF, quoi. Hein, c'est... Oh, yes. Un GIF, t'es limité en termes de couleur et tout. Donc, oui, à la limite du PNG, quoi. Mais GIF, ouais, je le conseille pas pour ça, quoi. C'est pour ça que je parle de APNG, ouais. Non. Mais après, le APNG, il est pas supporté dans beaucoup de logiciels. Hein. C'est le problème. C'est pas le truc qui est supporté de manière très très vaste. Mais merde! Oh putain, mais... Quel glandu. On va chercher le cœur. Là, c'était plus simple. Parce que After Effects et qu'il y a l'export vidéo directement dans After Effects. Ah merde! J'ai un peu bourré quand même. Je crois que j'ai un peu bourré. Avec le double os là, il fait tellement mal. Déjà de base il fait vraiment mal, mais là il fait double dégâts à chaque fois. Attention, il y a du caca par terre. Ah merde, j'ai pas fait gaffe. Ouais. C'était évident. Ah merde. Super. Il me saute dessus là.
Merde. Mais quel gros naze. Mais quel gros naze, je vous jure. Oh putain, j'ai plus de vie. Hein. Ah. Ah. Pas mal ça. Avez-vous terminé The Messenger? Oui, moi j'avais fait The Messenger et je l'avais fini. Je crois quand même que j'ai dû faire le 100% d'ailleurs. J'ai dû faire le 100% de The Messenger. Et je sais pas où ça en est de l'extension. Est-ce que j'ai eu des soucis dans la transition entre planer, sauter? Non. Non, non, non. Je l'ai fait moi, je l'ai fait sur Switch. Et non, j'ai eu... les fois où j'avais des problèmes, en fait, c'est parce que j'étais mauvais. Hein, mais j'ai pas eu de... Mais effectivement, il est niveau input, il est un peu exigeant, quoi. Donc, si t'as une manette qui est un peu faiblarde, il est possible que ça te pose quelques petits soucis. Allez, Holy War. Ah. J'ai pas les sioux. J'ai pas les sioux, donc on va prendre ça. Puis on va bomber le petit. Oh merde, j'aurais eu les sous maintenant. Mais c'est dégueulasse. Ah, on va essayer. Ouais, cher. Hein. Il a pris Chiro le gamin. Ok. Allez. Oh, merde, pas de thune. Allez, un peu de thune, tu... Ah, c'était pas un rocher marqué, ça? Non. Non, 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 on voit rien. Hashtag, on voit rien. Hop. C'est bien, ça. Petit cœur d'os. Nickel. Bon bah j'ai pas les sous mais c'est pas grave. On va continuer. T'as quoi comme manette Melzekiel? Ouf. Merde, merde. Oh ils sont 50 là. Bon bah voilà. Super. Je suis un génie, incompris. Allez, allez, j'ai pas que ça à foutre. Hein. Merci. Attendez. Hop là, j'ai le vol Xbox première génération. Ah ouais. Peut-être que effectivement, elle est plus très très en forme. Hein. J'ai 1,90 de speed là, ça va vite. Hein. Oh, et là je suis pété de thunes quoi, évidemment. Quel con! Quel gros naze.
Mais je me fous dessus, je suis un abruti. Je sais tellement pas le jouer, lui. Hein. Magisbo. Bumbo. Part sur du Libra. Voilà, faut que je charge. Si je suis moins bête, je charge. Ok. Bon, j'ai eu mon objet. On va essayer de trouver... Allez, on va essayer de se choper un petit guppy, là. Ça va nous faire du bien, un petit guppy. Si jamais on le trouve, évidemment. Ce qui est pas dit, hein. Ah, ce T-Rate. Et je refais la même, quoi. À chaque fois. J'ai refailli. Hein. Hop là. Je me fais vomir dessus. Shit. Quel con, quel con. Hop. Oh, caca. Caca gulp. Ok, un cœur. Oh, ça va être chiant. Oh, ça va être chiant. Putain, mais merde, quoi. 44 balles. Blank card, non, on s'en fout. Allez. Que je regarde la prochaine fois qu'on m'ajoute de pièces, parce que si je la fais péter, j'ai les boules. Hein. Ok. Des sous. Hop. Oh, l'enchaînage. L'enchaînage. L'enchaînage de boss, quoi. Est-ce que je vais y arriver? Ah, il y a peut-être moyen que j'y arrive. Hein. Par contre, je fais juste zéro dommage. C'est un peu con, mais... C'est évident. Pourquoi j'ai pas fait ça? Voilà. Voilà. C'était pourtant tellement simple, mais... Lockdown, on s'en fout. Oh, je vais défoncer. Je vais défoncer ma manette, moi. On parlait de manette qui marche pas très bien. La mienne avec cette run, elle va prendre cher. Hein.
Bah voilà. Prior's Card. Magnifique. Alors, qu'avons-nous? Ah merde! Ah merde! Bon, bah c'est pas grave, y'a ça. Y'a ça, c'est bien. Lui, on le fait péter. Ça, on prend aussi. Hop là. Les caca qui sont sur le chemin, on peut les prendre. Et du coup, maintenant, ok. J'ai le mapinge. Allez, voilà. Hop. Alors, qu'allons-nous avoir? 12 clubs, hop. Joker, ok. Ancient Recall, on l'appelle. The World, The Devil, Death, Emperor, bah Joker. Ça va nous être utile, The Joker. Yes, collier de guppy. Collier de guppy. Ou alors je suis juste très mauvais sur les transitions. J'ai pas compris. J'ai pas compris ce que t'as dit. Pourquoi tu disais ça? Ok, le jus de Jésus, c'est parfait. Hop, lui, il a pris cher. Bisous. Ou alors t'es très mauvais sur les transitions. Ouais, non, je pense pas. Non, non, parce qu'elles sont pas... Elles sont pas si compliquées que ça, les transitions. Donc non, je pense que... T'as plus un... Mais ça... En jeu, en fait, il se passe quoi? C'est que la transition se fait pas? Ou t'as un autre souci? Non, on va garder The Joker. Bon, j'ai pas beaucoup de... J'allais dire, j'ai pas beaucoup de vie. Bon, ça peut changer. Ok, bon. Ça c'est pas mal. Da-da-da-da. Je suis à 15 minutes. Bon, j'ai encore un peu de temps. Ok, c'est pas par là, donc on s'en va. Hop, ça c'est cool. Merde. Ouf. Le petit jeu de jambes. Ah! Ah! Couteau, hein. Couteau, hein. Ah, mais oui, j'avais. Oh! Oh là là, mais c'est pété. Ah,
avec cette vitesse d'attaque. Oh, je suis nul. Je suis vraiment qu'un gros tout naze. Toi, on va te bomber. On a pas le temps. J'ai pas le temps de m'occuper de toi. Hop là. Bon. 17. On va aller buter Mom maintenant. On va prendre le petit cœur là en passant. Merci. Ah, c'est con, j'ai pété mon cœur. Mon cœur joueur immonde. Eh, dis donc. Dis donc. Oui, c'est vrai que pour moi, c'est pas tout de suite. Hein. Le ultra hard. Ok. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Je prends ça. Non, merde. Non, c'est bon, j'ai fait The Lem et tout. Je vais juste faire une petite pause. Déjà pour remontrer ma transition. Et ensuite pour aller faire un petit pipi. Et je reviens tout de suite. Eh bien non, pas raté mon cher Avorpal, c'est prévu comme ça en fait. Je mets la transition, histoire que ça soit pas tout le temps la transition, histoire que vous fassiez pas. Les transitions entre les scènes de pause, donc enfin waiting, pause et fin, vers des scènes principales, donc Isaac, les jeux et les jeux full screen, il y a la transition. Par contre l'inverse, non. L'inverse, je fais un fondu au noir. Voilà, entre la scène de jeu et jeu full screen, je fais le fondu sur les éléments, donc on voit disparaître et la barre de statut. On veut la transi. Ben oui, mais vous l'avez la transi, mais vous l'avez dans l'autre sens. C'est des scènes d'attente vers les scènes principales, et pas l'inverse. Des scènes principales vers les scènes d'attente, j'ai mis un fondu au noir. Transi en Riot, ça y est. Et ben va chez Riot, arrête d'utiliser Steam et va chez Riot. Comment ça? C'est pas ce que tu voulais dire. Je vais Joker. Qu'est-ce qu'il me propose? C'est celle-là, hein, Otto, hein, le bon truc. Contract from Bello. Et là, je récupère un cucker. Et là, qu'est-ce que j'ai? Le Hank, ça me servirait à rien dans le cas présent. J'ai Libra en fait, donc Libra, ça va, oui, c'est nickel ça. Hop là. Merde. Hein? Ah oui, d'accord, il y a les trucs qui volent là.
Mais c'est... On se fait jamais toucher par... Merde. Normalement, on se fait jamais toucher par ce boss. Normalement. Oh merde, c'est... Putain, je l'ai pas fait sur les cœurs rouges. Je suis un connard, je suis un connard. Ouais, je crois que je vais faire ça à mon copain qui vole, là. Et après, on verra. What? Ah oui. Les petits couteaux. Putain, il y a toujours le jumper là qui est dans le coin, il me fait chier lui. Putain, mais faut que j'utilise mon truc là. Voilà, hop. Et, oh putain, mais c'est horrible. Ah, c'était cool ça. Heureusement, le polaire était là. Ah, il va y avoir du pin ou un truc dans le genre là, non? Voilà. Mais merde, 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 merde. Ok, ça c'est fait. Ok, ça c'est fait aussi. Ah merde, connard. Il fait mal ce petit couteau quand même. Hein. Ah. Merde, 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 je l'ai pas vu. Je l'ai pas vu. Mais crève, 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 crève. Hop. The bloat évidemment. Aïe. The bloat, on en est débarrassé. Il est où? Il est où? Ils sont où? Ils sont où? On voit rien, on voit rien, on voit rien. Ok, les divorce papers. Et on est à 21 minutes. Putain, on l'a fait vite, hein. On l'a fait assez vite. Ça c'est cool. Et donc j'avais bien une Curse of Darkness là. Bah voilà, c'est pour ça que je voyais rien. J'avais une Curse of Darkness. Hop là, hop là. Bon, on y va. On va essayer de se faire Huche. Huche avec couteau, c'est bien. Un idiot, je me jette dessus. Putain. Oh, bien ça. C'était au pif, mais c'était bien. La vitesse. La vitesse de ma faux, quoi. Hop, je peux faire ça. Ok. Voilà, 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 voilà. Ah bah oui. Hop, merci. Et un petit cœur sur les bleus. Voilà. Merci. Merci le jeu. Ah merde, l'enfoiré. Voilà. Quoi donc?
Je vais où? Ouais, je vais par là. Merci beaucoup. Guppy ou pas Guppy? Non, pas encore. Merde. C'est quand que j'ai eu le truc du... Ah, j'en ai deux, là. Ouais, j'ai le collier et j'ai le collier et la queue. Ok. Mais, du coup, là, j'ai vu que j'ai la queue, je vais avoir plus de coffres. Je vais avoir des coffres rouges, vu que j'ai la main. Donc, c'est bon deal, ça, en fait. Ça, c'est bon... c'est un bon deal, c'est un bon deal. Ok, comme ça, voilà. Je peux mettre un petit cœur, là, comme ça. Alors, Mr. Fred. Voilà, Mr. Fred s'est fait démonter. Fested, oui. Gueule, pas besoin. Verp, qui me redonne un infested, lui. Le un peu con. Qu'est-ce que je vais garder? Fested? Ouais. Ah bah oui. Yes, yes, yes. Avec plaisir. Voilà, voilà. Voilà, 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 voilà. Ou Gulp. Allez, Gulp. Je suis pareil, je vais harceler Froggins pour essayer d'organiser un vocal. C'est bon pour toi. Ouais, ouais, bah ouais. Tu me dis... Tu me dis quand vous êtes prêt, si Froggins se veut. Et dans ce cas-là, je rejoins avec plaisir. Et tu peux dire à Froggins que j'ai des belles transitions. Ça y est, je fais... J'ai copié sur lui au départ, je l'avoue. Mais ça y est, l'élève a quasiment dépassé le maître. Peut-être pas encore, hein, mais je m'y attelle. Ok, ça. Merde. Ok, et ça c'était le gulp, et ça c'était le verp. Super. Gurp et Vulp. Hop là, temps faut changer. C'est par où? C'est par là. Hein. Ouf! Ça m'est passé à côté. Il est concentré pour le moment. D'accord. si tu veux, on peut se mettre juste en vocal tous les deux. Hein, t'as commencé ton stream toi ou pas? Est-ce que tu as commencé ton stream? Hop, petit cœur bleu. Non, pas comme ça, putain. Vous allez faire une course binding. Alors, j'ai pas encore lancé, on peut se mettre en voc. Ok. On va pas faire une course binding aujourd'hui, mais oui, on s'est prévu ça en fait avec Otto et Froggins. De se faire une petite race. Alors, il va falloir qu'on se mette dans le bain. Parce que pour l'instant, on finit nos races, tout ça. Enfin, on finit nos runs. Et on essaie de débloquer des trucs. Donc, c'est pas du tout le même genre de jeu. Mais après, ouais, on va essayer de s'entraîner pour faire des runs rapides. Et puis, on va essayer de se faire une petite course de speedrun, quoi. Ça peut être sympa. On a quasiment le même nom de stream. Ah. J'avais pas fait gaffe. Il y a Froggins qui me dit que... On a lancé avec quasiment le même nom. Hop, il est où? Appel vocal. Allô, allô? Allô? Ah je, il faut ah. Que je débute mon micro. Ah là là, le mec, bah, tu commences dans le stream, c'est normal, on fait tous des erreurs au début. Vite. Voilà quoi.
Donc, attends, du coup, je vais couper la musique dans Isaac parce que. Hop là, ça va être mieux. Attends, deux secondes, je lui réponds, je lui dis qu'on l'invite dans la convo, il rejoindra comme ça après. Yes, on peut faire comme ça. Ah, ça fait bizarre, Isaac, sans le son. Enfin, sans la musique. Moi, dès que je suis un stream, je coupe la musique parce que je trouve que ça fait bois sinon. Donc, moi, j'ai l'habitude. D'accord. Bon, si je pouvais d'accord. toucher un moment, ça serait mieux. Ah, c'est mieux. C'est qu'il est où Melzekiel qui me dit ça parle de quoi bah pour l'instant. Par contre, ça... je l'ai pas en ami donc je peux pas l'ajouter. Oh, tu voudrais que je le fasse du coup. Ah, si tu l'as en ami, oui. Oui, je l'ai en ami. Parce qu'on est des vrais copains. Aïe, aïe, aïe. Coup dur. Et en live en plus là, tu vois, moi, tout le monde t'a entendu. Là, tu me mets dans le mal là. Ouais, là, tout le monde. Bon, je vais arrêter ma carrière Twitch de suite. C'est ça, tu t'es brûlé les ailes trop tôt. C'est l'erreur fatale. Ah merde, j'ai fait le connard par contre. Je suis allé. Non, c'est. Ah ! Oh putain ! Ah merde ! Attends, vite, il faut que je mette ton live. Alors, je peux t'expliquer. Oh ! Abaddon, ok, d'accord. Non, mais attends, tu sais pas où je suis en fait. Là, je suis dans l'étage de Hush. Et j'ai commencé ma phrase en te disant... Oh, t'as arnaqué un Devil Deal à Hush ? Bah attends, je te dis, j'allais te dire, j'ai fait le connard, j'ai oublié d'enlever la main... Ah bah non, je l'ai, la monkey paw. Ah bah non, en fait. Ah bah non, c'est pas la monkey paw, c'est la main rouge, comment ça s'appelle cette connasse ? Oui, je sais plus... Ah mais je l'ai avalé en fait, vu que j'ai pris Gulp en fait, je l'ai avalé. Donc j'allais te dire, j'ai oublié de l'enlever, donc tu vois, c'est pas des coffres jaunes, c'est des coffres rouges. Mais du coup, Abaddon. Et du coup... Attends, mais surtout pas ! Pourquoi surtout pas ? Non mais surtout pas avec Forgotten. Ah bah il va mettre un cœur. Bah non, mais tu vas garder tous tes cœurs d'os, mais ils vont être vides. Ah bah c'est cool. C'est cool, il va falloir les re-remplir, parce que sinon Hush il va un peu t'ouvrir la rondelle, non ? Mais pas du tout. Et Et donc, j'avais oublié que je parlais à un professionnel, excuse-moi. Ouais, c'est ça, quand tu ne connais pas le jeu, évidemment. Ah, puis je peux prendre le Ghost avant, en plus. Comme ça, lui, c'est gratos. Ah bah oui. Et j'aurais tort de t'en priver. Et du coup, deuxième coffre, je tombe sur Devil Deal, quoi. Téléport Devil Deal. Voilà. Nice. Hop là, merveilleux. Oh là là. À moins que... Ouais, c'est... Même si tu switches pas, ça t'enlève tes cœurs rouges, t'as pas le choix. Alors... Bon, moi, je vais peut-être envoyer mon live en discretos pendant ce temps-là. Alors du coup, il me reste que 3-4 challenges à faire, moi, perso, pour finir ma save. 5 challenges. Par contre, après, il faudra que je fasse les daily challenges. Alors ça risque d'être long. Ah, t'as pas commencé du tout ? Si, j'ai commencé, mais j'ai toujours pas fait les 30. Donc, à mon avis, il m'en manque pas beaucoup, mais je sais pas si dans le jeu, on peut voir où on en est. Je crois pas. Je suis pas sûr, à chaque fois, je me prends la tête. Ça débloque quoi, d'ailleurs, les 30 daily challenges ? Je crois que c'est le modem que tu débloques. Ah ouais ? Ouais. Ah mais j'ai un objet à débloquer. Je les ai déjà fait les 30 alors du coup, je pense. Alors attends, je vais regarder. Que je dise pas de bêtises. Pour une fois. Par contre, j'ai pas de cœur rouge dans le shop. Aïe. Par contre, c'est là que tu vois que PC, c'est l'élite, parce que sur console, c'est que 7 au lieu de 30. Ah ouais ? Ouais, c'est une semaine sur console, et sur PC, ils se sont dit, bon, vu que c'est l'élite, on va leur mettre 30 jours. Et t'as fait les 5 d'affilée ? Non, 5 d'affilée, je les ai toujours pas fait, mais alors ça, je le ferai. Tu sais, au pire, ça m'empêche pas d'attaquer la troisième save en, oui, en parallèle. Je me suis pas fait de soucis avec ça. Putain, j'ai pas de cœur rouge. Ah. Ah non, pas du tout. Pardon. Ah non, c'est l'inverse. Attends. Ah non, c'est l'inverse. Ouais, c'est ça. Les... Non, c'est l'inverse. C'est sur console qui se font entuber. Parce qu'en fait, sur PC, le modem, c'est 7 jours. Du moins, 7 runs. Ouais. Et sur console, c'est 30. Sauf sur Switch. Mais sur Play et Xbox, tu te fais arnaquer, c'est 30. Et l'autre, Dedication, c'est 31
Daily Challenge, et c'est une pilule en fait. Là, d'accord. Et je crois une pilule de merde. Oh, il se planque ce bâtard. Petit connard de Hush. C'est de l'arnaque. C'est tellement pas le même jeu sans le son. Ah, j'espère que t'as pas coupé les effets. Ah non, quand même. Non, non, bah non, justement, mais j'ai les effets, mais sans la musique, ça fait trop bizarre. Sans la musique, ouais, ça. Bah ouais, ouais. Mais ça va, j'ai ta douleur. Oh merde, merde, merde. Allez, vas-y. Bourre. Oh, mais il se cache. C'est dégueulasse. Ce boss qui se cache, là, je trouve ça dégueulasse. Ah non, mais Hush, c'est l'enfer. Parce que là, je lui ai fait. Là, j'avais Polaroid, je lui ai fait un tiers de sa barre, là. Mais tu sais que moi, personnellement, je préfère... Je vais prononcer probablement un tabou. Mais tu sais que je préfère Delirium à Hush, maintenant. Non, non, non. C'est pas possible. Tu essouffles. Mais si, parce que... Tu essouffles, arrête. Mais si, parce que Delirium, tu l'as à la toute fin. Donc, généralement, t'as un build pété. Oui, t'es un peu craqué. Et Delirium, et une fois que tu le connais, Delirium, finalement, il est chiant, mais il est pas si dur que ça. Alors que Hush, t'es obligé de te manier le fion. Donc t'es pas en endgame. Et puis, ouais, selon la RNG, il peut être très prankeur. Hein. C'est pas faux. Bon, là, je l'ai défoncé. Hein. Oui, clairement, j'ai vu que... je pense qu'il a aimé l'expérience. Le petit couteau, ouais, dans le petit couteau. Et... Ah, le couteau. Le double couteau, en plus, parce que j'ai... 20 sur 20. J'ai 20 sur 20, ouais. 20 sur 20, ça c'est l'objet parfait. Il n'a aucun inconvénient, c'est que du plaisir. C'est clair, tu doubles direct, quoi. Alors moi j'avais dit que je lançais mon live, mais je l'ai pas fait, bien sûr. Ah, j'ai eu du mal à voir le choix du bitrate. C'est vrai, ouais. Ça a été galère. Ouais, ouais, moi, quand je l'ai lancé ce midi, ça a été first try. Mais dimanche après, moi, je pense qu'il y a déjà beaucoup plus de monde. Chier les gens à streamer, là. Ouais, c'est clair. Faut pas laisser les honnêtes affiliates choper la qualité en codage. Ah bah tiens, pendant que tu parles des affiliates, voilà, je suis affilié, donc vous pouvez sub à ma chaîne. Hein. N'oubliez pas. Effectivement. N'oubliez pas. Retour de l'être aimé et tout, hein. Exactement. Paraît-il. Oh putain, j'avais pas fait gaffe. Je suis à l'étage de Delirium. Mais avec une Curse of the Lost. Ça, c'est ça l'ambiance, par contre. C'est ça, je peux tomber sur cet enfoiré n'importe quand. Je crois que le pire, par contre, ça reste quand même Curse of the Blind à Hush, justement. Parce que le shop, tu vois rien, et les deux salles avec les coffres, tu vois oui. rien non plus. Ah oui, non, ça, ouais, c'est pas très gentil non plus. C'est vrai. Parce que le Lost, en fait, ce qui est marrant, c'est que Lost, tout le monde déteste ça. Moi aussi, je détestais ça. Et maintenant, à part pour les objectifs de temps, finalement, moi, j'arrive à me repérer, et je trouve que c'est pas la curse la plus handicapante. Ouais, je suis à Delirium, là, donc se repérer dans l'étage qui fait... 12 000 km. Ouais, je sais que ça m'est déjà arrivé. Effectivement, c'est plus chiant, mais ça te fait... Sachant qu'en fait, t'as juste besoin de trouver les boss, t'as pas besoin de... Les salles intermédiaires, du moins, tu manques pas de ressources quand t'arrives à Delirium. Là, j'en manquais un petit peu, parce que, comme un connard, j'ai pris Abaddon et j'avais plus de cœur rouge, mais c'est bon. Là, je viens de refaire mes cœurs rouges. Ouais, je vois ça, ouais, c'est bon, t'es ok. Alors... Allez, un petit... Tiens. Un petit small rock maintenant, ce serait pas mal. Putain, Satan. Satan a Delirium, quoi. Bah oui. C'est dégueulasse. Bah oui. C'est le pire... Putain, c'est le pire boss, quoi. Oh, le pire, non. Arrête. Oh, si. Ah, oh, si, attends, je suis sûr que je peux te sortir pire que ça. Oh, Matriarche. Matriarche, mais Matriarche, ça compte pas. Matriarche, par exemple. Mama Gertie. Si tu voles pas. Les Gurglings jaunes, eux, c'est ça l'ambiance aussi. Ouais, c'est vrai qu'il y a... Bon, heureusement, t'as un gros DPS, donc généralement, ils ont pas le temps de te faire chier, mais... Parce que les Gurglings jaunes, moi, je les ai eus tout à l'heure au premier étage. Putain, voilà. Oh merde. Alors, quand ça t'arrive, ça, il te reste plus que tes petits yeux pour pleurer. Hein, c'est parce vrai. Qu'il y a vraiment aucun starter qui peut te permettre de les battre.
au premier étage. C'est où quand t'essaies de faire une run pas dégueu et que t'as The Haunt, The Haunt en premier boss. Et là, tu fais ah. The Haunt Rose par exemple. Oui. Bonne ambiance. Par contre les coffres rouges maintenant ça me fait chier quoi. T'es guppy? Pas encore. Ah guppy couteau ceci dit ça te sert. Hop. Et tu veux ah, ah bah je, si, fait, si. Guppy, c'est bon je suis guppy. C'est bon. Fallait le dire. Fallait juste le dire quoi. C'était il manquait ça. Ouais bah par contre il te servira pas vraiment. Bah si parce qu'avec ma fou, avec ma faux. Bah mais avec ma faux ça marche non? À moins que le jeu qu'il y ait une arnaque et qu'il considère la faux comme une larme. Et à ce moment-là bah c'est du génie. Nous allons voir. Bah t'as l'air d'avoir des mouches donc après, ouais. Oui ça marche. Ouais ouais. Yes. Bon, ah oui bah... ça marche. Ok. Il va en prendre. Non mais Forgotten c'est un peu un perso de l'amour. Hein. Et c'est pareil Forgotten, tu chopes Polyphemus. Tu t'as ton gros nonos qui fait la moitié de l'écran, ça fait un grand plaisir. Bon par contre tu tapes toutes les demi-heures mais à chaque fois que tu tapes tu rases la moitié de l'écran. Bon. Il a plein de synergies du schnapps, c'est marrant. Ouais bah ouais. Mais je pense que ouais. Alors, est-ce qu'ils vont les garder ou pas? Parce que justement, tu vois, c'est des synergies. Je pense que c'est parce que manque de tests et ils se sont dit ah merde. Ah finalement. Alors clairement, ils ont pas l'air d'être dans l'intention de genre nerfer des builds. Hein. Au contraire, du moins au contraire, pas dans le genre ils vont rendre le jeu encore plus craqué, mais ils ont parlé qu'ils rajouteraient des synergies. Oui. En enlever, j'ai pas entendu parler. Je trouve personnellement, je trouve ça dommage. Ça fait partie du. Du sel du jeu, c'est que si t'as envie de tryhard et jouer avec des builds de merde, libre à toi, mais... Si tu aimes te faire du mal. Voilà. Ah, on peut ouvrir les coffres avec la avec le nonos? Mais oui. Le nonos, c'est... tu interagis avec les trucs, en fait. Bah oui, mais tu vois, les coffres, je savais pas. Ah, putain. C'est comme un boomerang, en fait. Et trop même bien. En milieu, même, parce que je crois que le boomerang est... Ah non, mais Forgotten, très peu de défauts. Oh! Oh! Ça me donne quoi la boîte, la Pandora's Box à cet étage? Que dalle. Une pièce, je crois. Non, rien du tout. Ah bah rien du tout. C'est encore mieux. Bon, sinon, comment vas-tu? Ça va. Es-tu J'ai moins mangé, je suis alimenté. Es-tu moins fatigué cette semaine? Là, ce week-end, là, ouais, le genre, j'ai passé deux grosses nuits, là, ça a été hyper réparateur, ça a fait du bien. Par contre, je sens que je suis reparti pour une autre grosse semaine derrière, donc... Ah. Vivant le week-end prochain. Ça c'est mauvais quand tu le week-end n'est pas fini et que tu dis vivement le week-end prochain quoi. Ouais. C'est... Après tu profites des semaines qui sont calmes. Ouais, je t'avouerai que j'attends les vacances avec impatience. Ouais moi ça fait je sais pas combien d'années que j'ai pas pris de vacances et j'avoue que j'en ai oublié la saveur des vacances. C'est comme Gollum. Hein. Tu profiteras encore plus des prochaines, du coup. C'est possible. Ou alors, tu sais, par contre, je me souviens de ça, c'est que quand tu prends des vacances, genre, tu prends deux semaines, et la première semaine, tu passes toute la première semaine à essayer de te dire « je suis en vacances ». Oui. Et la deuxième semaine, tu la passes à te dire « mais quel connard, j'ai perdu une semaine à me dire que j'étais en vacances, et j'ai flagué la moitié de mes vacances ». Et finalement, tu flagues le reste de tes vacances à te dire que t'as flagué à moitié de tes vacances. Alors, moi, c'est pire parce que pendant beaucoup d'années, je prenais qu'une semaine de vacances. Oui, bah voilà. Bon. Et bon, ouais, autant dire que voilà, elle commençait que c'était fini, quoi. C'est ça. Du coup, moi, je préfère avoir des périodes où le taf est plus calme plutôt que de prendre des vacances. Parce qu'en plus, tu te mets en retard. Du moins, quand t'es indépendant, tu te mets en retard sur le boulot. Clairement, en fait, les vacances, tu peux pas vraiment prendre de vacances.
Donc je préfère profiter des périodes où c'est plus calme et ne pas prendre de vacances, en fait. Ouais. Que de dire, ouais, je refuse les chantiers pendant de telle date à telle date, et au final, derrière, quand tu reviens des vacances, tu bosses 4 fois plus, donc... J'entends parfaitement. On va te bomber la gueule, toi. Oui. Sachant que moi, avant le confinement, j'étais pas déjà quelqu'un qui bougeait beaucoup, donc de toute manière, moi, ça me dérange pas. Moi, les vacances, c'est à la maison, au calme. Je sais qu'il y en a, eux, dès qu'ils ont les vacances, direct, il faut se barrer. Ce que je comprends tout à fait quand t'habites dans un appart, par exemple, effectivement. Tu dois avoir qu'une hâte, c'est de te barrer. Ah, parce que t'habites pas dans un appart, toi ? Oula, j'ai... Et non, bugué, j'habite... Ah, ah, oh, le bourgeois, quoi. Bonjour. Vous allez bien, excusez-moi, je vous ai coupé la parole, mais je m'entendais pas. Mais non, pas de soucis. Je m'apprêtais à dire que non, j'habitais dans un château. J'ai 25 servants. Putain, le mec... C'est vrai, plutôt, j'en ai 26. Oui. Ah, merde, bon. Micheline. Va falloir en acheter deux de plus. Bon, et ça vous dérange pas si je suis toujours en live là, parce que je vais pas couper le stream. Tony Hobb est lui-même en live, et moi je vais lancer, donc le but c'est aussi de se faire plaisir, donc no soucis. On discute pendant qu'on joue. Ben parfait. Attendez, je vais vous activer ma caméra, ça sera toujours plus agréable. Ah non, active pas, ça va niquer ma connexion, moi. Mais vraiment ? Ben oui. Ok. Oh, rigole pas, hein. Rigole pas, toi. Ah, si, je rigole, désolé, parce que si je peux pas profiter du fait de pouvoir me foutre de la gueule de ceux qui ont pas la fibre, quel intérêt d'avoir la fibre ? Ouais. Ouais, du coup, moi, je suis censé l'avoir. Hein. Faudrait se mettre... Oui, c'est vrai que toi, Froggins, t'es censé avoir une fibre, mais apparemment, c'est pas probant. Non, c'est un peu mieux qu'avant, mais franchement... Après, Tonyob, je sais pas si tu connais la feinte, mais est-ce que t'as essayé, Froggins, le DNS 1.1.1.1 plutôt que le DNS traditionnel? Ah. Je connais pas du tout. En vérité, tu connais Tonyob? Oui, bah oui. Ah. Et moi, j'utilise mon propre DNS. C'est l'avantage d'être admin 6. Bon, tu connais 2-3 petits tuyaux, quoi. Donc, Eh oui. Mais pour ceux qui veulent pas se faire chier, le DNS de... Je sais même plus comment il s'appelle, c'est couillon. Cloudflare, ouais, voilà. Il est vraiment pas mal, parce que c'est au pire aussi bien que ton DNS FAI, et 90% du temps, beaucoup mieux. Voilà, et si vous voulez un autre DNS qui est pas celui de votre faille et qui marche bien aussi, il y a 99999. Ah, et le backup ? Le secondaire ? Je sais plus. Ils en ont un deuxième. Mais voilà, contrairement à celui de Cloudflare, il ne traque pas. Donc si vous voulez voir ça, vous cherchez Quad DNS sur Internet et vous tomberez sur justement. Quad DNS. Eh ben écoute, je testerai. Non, c'est quoi ? C'est Quad 9. Ouais, c'est Quad 9 DNS. Quad 9, ouais. Oui, Google y trouve. Je sais que t'aimes bien Google. Yes. Bah, c'est un bon moteur de recherche. Ah, ça, je peux pas dire le contraire. Il s'est assuré d'être le meilleur moteur de recherche de toute manière. Je vais lancer vos lives respectivement. Comme ça fait comme si on avait un talk. Yes. Alors, d'ailleurs, moi, il faut que je lance le mien. Mais finissez vos runs, en fait. Et dès que vous avez fini votre run, vous pouvez bidouiller sur Isaac. Mais tenez-vous prêt, comme ça, quand on est tous les trois prêts. On va essayer de jouer au Isaac normal avec le mode coop de merde, avec le remote play de Steam. Voir déjà, est-ce que ça fonctionne. Ok, ben... Avant même qu'on installe des modes, en fait. Hein ? J'ai fini ma run, hein, si jamais. Ok. Moi, je lance mon live. Moi, je suis en train de chercher, Delirium, en fait. Finalement, je tombe pas dessus. Ça va, si t'as Delirium, tu vas vite mourir. Ah non, mec, mais ça parle pour toi, attends. Il y a des gens qui jouent bien. Mais t'oublies à qui tu parles, là, quand même. Attendez, j'ai mis le stream de ton aim en double. Carrément. Ah bah bravo. C'est bien, ça me fait 50 viewers en plus, c'est bien. Ça marche aussi, tu mets plein de fenêtres ? Non. Non. Alors apparemment, je suis le seul connard à l'avoir testé, donc je n'ai pas peur de l'affirmer. J'ai essayé, ça ne marche pas. Ah oui, c'est vrai.
Eh ben, Tonyob, je viens de choper direct la qualité. Hein. Orage, j'ai envie de dire. Oh là là, mais ouais, non mais toi... Le serveur de réencodage, écoute, on est potes tous les deux, je lui ai dit, ah, je lance un live, tu veux bien réencoder mon flux, il m'a dit, t'inquiète. Toi, il y a des rumeurs qui diraient que tu es très très ami avec Jeff, genre très 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 copain. Eh ben écoute, figure-toi que sur les 25 serviteurs, voilà, on s'en est refourgué. C'est comme ça qu'on s'est connus. Ah, je comprends mieux. Je sais pas où est Delirium. Hein. Ah, peut-être par là. Ah putain, t'es à la pire curse, j'avais pas capté. Bah oui, parce que moi sinon le jeu je roule dessus en fait, donc il me met des curses, oui, tu vois. Oui, la RNG elle détecte quoi. Ça. Oh par contre t'as une espèce de faux. Ah bah oui, Forgotten avec le couteau. Ouais, c'est Forgotten et couteau, ouais. On l'utilise comment, le Jean-Michel Avou dans Binding of Isaac? On ne peut... Alors, faudrait que je mette d'autres choses, si, en fait. Si. Parce que si tu tombes sur un objet, c'est le chat qui peut décider que tu le ramasses ou non. Ouais, mais faudrait par que... Exemple, oui. Si tu tombes... Par exemple, si tu tombes sur un objet merdique, on peut utiliser Jean-Michel Avou et te dire tu le ramasses, ou un objet bien, lui dire tu le ramasses pas. J'y ai pensé, mais du coup, faut que je le précise, en fait. Va falloir que je le mette, en fait, dans les... C'est comme moi j'ai commencé à utiliser les je sais plus comment on appelle ça, mais les paris, les prédictions. Et je trouve que Isaac se prête très bien à la prédiction. Ah bah oui, c'est est-ce que je vais mourir comme un sac à caca ou pas? Exactement. C'est vrai que c'est un jeu à prédiction un peu. Ah bah oui. Il y a Shishayu aussi qui fait le... Alors, ça, c'est longtemps qu'il faisait ça, c'était avant les prédictions. Où c'est le chat doit trouver c'est quoi le premier objet, en fait, qui va être ramassé. L'objet dans la première salle d'objets. D'accord, bah c'est large, quand même. Ouais, c'est un peu large, ouais. Ah, il y a Melzekel, du coup, qui me dit le prochain objet que tu n'aimes... Ah, attends, le prochain objet que tu n'aimes pas doit être ramassé. Sans tricher, je connais pas le jeu. Ah. Alors attention. En pentagramme, quel dommage. J'aime pas cet objet, mais je vais le prendre. Et bah ça y est, je suis sur Delirium. Ça y est. Ah, il a trouvé. Ah, mais c'est... Oui, attends, faut que je... Merde. Oh, j'y vais comme un con. Ah, je bourre. Je bourre toute ma vie, là. Oh, Satan. Satan. Delirium Satan, bon, vraiment. Lag, c'est dommage. Du coup, il faut télécharger un mode, un truc comme ça? Non. Normalement, avec Steam... Alors par contre, ouais, ça me dérange un peu parce qu'il va falloir que j'ajoute Tonyob à ma liste d'amis sur sur Steam. Donc bon, bah... Écoute, hein, tant pis, je vais faire le sacrifice. Ah non, je veux pas. Quelle insolence. Il va falloir qu'on soit amis. Ah non, cher Tonyob. Mais quel enfant. Mais écoute, il faut être professionnel, il faut garder la face, tu vois, en public, donc. Bah ouais, mais moi je. On s'aime bien, quoi. Ah bon? Moi en fait, je te garde juste pour un moment si j'ai besoin de faire de la vidéo, tu vois. Je sais que tu feras du montage. Ouais. Mais sinon, pas envie, quoi. Je vous mets mon code Steam sur. Allez. Voilà, et avec ce magnifique code, vous pourrez m'ajouter en ami. Et tiens d'ailleurs, Froggins, pendant que je suis sous la main, il faut que je t'ajoute en ami sur Discord parce que bon voilà. Comment oh, j'ai au bourré. Début, j'ai dit je vais rajouter Mr. Froggins à la convo et je fais ah mince, il faut qu'on soit amis. Nous étions pas en effet. C'est vrai. C'est bon, on est amis maintenant. Enchanté, ami. Oh, The Book of the Dead. Oh, trop bien. Oh, je ça, tu l'as pas débloqué? Bah non, c'est Delirium Book avec... Book of the Dead, il m'a carry une run l'autre jour, c'était avec qui? Ah non, il est bien, ouais. Mais un truc... Ah ouais, franchement, avec un The Lost ou un perso un peu fragile comme ça, ça peut te sauver la peau. Et bah voilà, donc tu sauras, c'est, il faut tuer Delirium avec The Forgotten pour le débloquer, et donc je viens de le débloquer. D'accord. Et c'est un bookworm? Bien sûr. Ouais, c'est un livre, nice. Donc. Il fait partie du pool des livres. Donc voilà, je viens de finir ma run. Qu'est-ce qu'on fait maintenant ?